Bonjour les amis, uh, bienvenue. Vendredi le 23 avril, c'est la 41e journée de notre isolement. 41e, c'est quoi ça? 41e. So let's, let's remember how we got to a big word like that, 41e. Um, 40, 40, 41, 41. Et 1. And then to make it an ordinal number, like first, second, third, fourth. um we have to add a suffix an ending to the word and in french the suffix for uh, numbers ordinal numbers like that in placing um, after the first one is yem, i e m e with an accent grave on the first e so in english it's more complicated there's first st second nd third rd fourth t, right, when we're writing them like that. in french, it's yem. so quarante et unième, quarante plus un, plus yem. quarante et unième. aujourd'hui, c'est le début de ramadan, uh, en anglais, ramadan, uh, la célébration musulmane. Um, pour un mois, c'est le neuvième. there's that word again, yem. neuvième. Neuf. ym. Uh, mois de l'année la, musulmane um, et puis c'est un mois de, de célébration uh, de réflexion c'est un mois uh, très saint It's a holy month a very important month. et puis uh, mais normalement c'est un mois de célébration en famille cette année uh, pas de grandes célébrations à cause de, de covid 19 et puis uh, donc c'est dommage uh, pour nos familles uh, musulmanes um, J'espère que vous passez un bon Ramadan. Et puis, euh, puis c'est tout. Euh, bonne chance avec votre projet d'animal. C'est à remettre la semaine prochaine. Um, pour quelques-uns, on se voit aujourd'hui. Pour les autres, bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.